chers visiteurs de Kikiland, dans votre village Kiki, eh bien, il y a très peu de lumière. Donc, il faut aller à l'hôtel pour trouver de la lumière, ou pas. Bonjour, bonjour les Kikounets. Oui, on est en pleine nuit. Justement, je voulais voir, eh bien, le problème de la lumière. J'espère que vous allez bien les Kikounets. C'est Well Kiki sur Planet Coaster. On y va. Donc, évidemment... niveau lumière, on est un petit peu, si on regarde bien, pas super bien éclairé. Hein. Donc on va rester en mode nuit pour mettre un peu de lumière, parce que là, c'est un peu limite. Donc on va prendre dans l'environnement de la lumière. Et donc, on voudrait simplement des lumières pour un parc, pas chinois, non, c'est pas la peine. Lampadaire effrayant non plus, lampadaire victorien dans cet endroit-là, je pense pas que c'est nécessaire. Il faudrait plus des lumières. Oh, c'est joli, une tour lanterne. Oh, c'est joli, on pourrait mettre ça quelque part, dis donc. Je sais pas où, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça, une petite tour, peut-être près de l'hôtel. Voilà. À ce niveau-là, non ou pas. Non, par contre, on aurait voulu des lumières victoriennes. C'est pas mal, ça. Hein. Après, je sais pas si c'est vraiment, vraiment le thème, parce que là, on a des lampions. Donc, si on part sur des lampions, on partirait sur quoi Je ne sais pas. Si des lampions, guirlandes de lampions, peut-être. Ah oui, remarque, on pourrait éventuellement en mettre là. Là. Il est, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. C'est n'importe quoi. Bon, on va en mettre un peu là. Un peu ici. Pour cette place-là, hein, du moins. On va dire que c'est pour cette place-là. Et puis vers l'hôtel, on trouvera une autre solution. Peut-être que si on en met là, ça va habiller un peu le parc. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il colle en fait carrément. Là, et puis ici. Voilà. C'est vraiment sombre. On va en mettre un niveau du personnel. Et je pense que de toute façon, va falloir revoir. Oh, quoique, après, ce qu'il faudrait carrément, c'est... Alors lui, on va le repositionner là, parce que là, c'est n'importe quoi. Pourquoi il le colle sur le... Non, non, je suis dans une maison, oui. On va le mettre là. Voilà. Hop, ce qui serait pas mal, à la limite, on pourrait presque faire un poteau. Ah oui, attends, j'ai une idée. Bon là, il fait vraiment nuit, hein, mais j'ai une idée. Ça, si je le prends et je le duplique. Ok, je m'en vais là-bas. Sur le village. Sur le village. Et si on le mettait donc là, et on va le repositionner... X une nouvelle fois et on va le tourner. Oula. Attends, je vais me mettre dans l'autre sens hein, parce que je fais n'importe quoi. Et après, l'animateur va dire oui, monsieur Kiki, le gérant du parc, fait n'importe quoi. On voudrait le faire monter ici. Donc c'est la flèche rouge. Il va jusqu'où? Ok, on va le mettre là. Tac. Et. Vous allez voir, on va peut-être... C'est un peu haut, mais bon. Du coup, on va prendre environnement les lampions. Lampions. Il nous propose... Ah oui, lampions chinois, mais non, en papier. Mais nous, on veut celui-là. Voilà. Alors là, ça va être complexe, je pense. Mais... Que je parte sur le toit en fait. Ah, je vais pas y arriver. Alors attends, on va le tourner. On va le tourner dans ce sens-là. Tac.
Ouais. Tac, je le colle. Ensuite, on va X, comme d'habitude. Hop. Alors, est-ce qu'il est dans le mur? Oui. Par contre, on va le positionner, on va le dupliquer en complexe pour pouvoir le relayer à ici. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je doute légèrement. Ouais, je doute, hein. Je sais pas si ça va se parce qu'en fait du coup si on l'oriente légèrement vers le haut comme ça X une nouvelle fois non Z ah non 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 retour attends là et on va le monter. C'est un peu compliqué là. Descend. Oh, on va dire que c'est que ça qu'est-ce que ça va marcher ou pas. Ça va pas marcher terriblement bien, mais on va essayer. Je sais pas si ça se voit légèrement. On valide pour voir. Et ici. Je sais pas si ça va marcher cette histoire là. Ce que je suis en train de faire, je sais pas vraiment si c'est. Ah ouais, mais. Alors on va prendre l'ensemble, je pense, après. Parce que du coup, ça va pas dans le poteau. Alors, on va valider. On va arrêter ça et on va sélectionner les trois. Alors, sélectionner les trois. Tac. On va carrément en faire un groupe, comme ça au moins on est tranquille. On va le positionner alors sur le poteau, donc du coup X pour le tourner légèrement dans le poteau. Voilà, il est dans le poteau, ici il est dans la maison, c'est jouable. Et qu'est-ce qu'on en pense là? C'est bizarre, hein, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Allez, on le duplique en complexe, comme ça au moins on fait pas de bêtises. Et on va le tourner dans ce sens-là. Hop. Alors, attends, parce que du coup, il va aller où, lui? Il va aller par là. Donc, du coup, on va le tourner légèrement comme ça. Ensuite, X une nouvelle fois, et on va le positionner dans le poteau. Ensuite, on va le monter légèrement. On va le tirer comme ça, pas mal. Je sais pas ce que ça donne, mais bon, pourquoi pas. Si on non, ben non, du coup, modifier, on va le dupliquer. Je teste, hein. Je fais des essais, mais bon, hop, je valide pour voir. Terminé. Hop, je ferme. Ça, on n'en veut pas du bâtiment. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. On va mettre quelque chose dessus, là, et puis ça se verra plus. Hein, mais ça éclaire pas grand-chose, en fait. C'est ça, le pire. C'est que ça éclaire pas grand-chose. Ah! Bon, ça y est, je refais mon « Ah !» de Denis Brognard. Alors, du coup, on va partir sur du lampadaire classique. Mais ça éclaire rien, ça. Ça non plus, tu me diras. Alors, mais bon, pour hôtel, c'est pas mal, hein, ça. L'hôtel, il est pas éclairé, c'est quand même fou. Je pensais qu'ils auraient pu l'éclairer mieux que ça. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire éventuellement ici. Tac, tac. On va le tourner légèrement. Tac. Et puis, pour l'hôtel, hein, on va faire quelque chose de classe. Ou pas, mais on va le tourner légèrement, hop, et celui-ci aussi,
Tac. Voilà. Bon, alors, ça donne quoi? En fait, ce qu'il faudrait ici, c'est, vous savez, comme en fait, en centre-ville, il faudrait mettre des piliers. Qu'est-ce qu'on a en poteau? Lampe, poteau. On n'a pas carrément des comment on appelle ça? En scène publicitaire. Non, ça on verra après, parce que ça, c'est pour tout ce qui est... magasin et tout ça, il faudra les faire aussi, enfin, il faudra en mettre, mais en fait, il faudrait, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, évidemment, parce que je suis parti sur une idée, pas saugrenue, mais, c'est quoi ça? Corset d'arbres en bois. Ah, c'est pour entourer les arbres. Ah, c'est original. On pourrait le mettre là. Je sais pas s'il va être un peu gros, hein, je pense. Oui. Non, puis ça va pas avec le thème. Bon, bref. Alors, on a les fils électriques, ça c'est bien, mais ça c'est plus pour centre-ville. Non, je cherche en fait quelque chose à détourner pour faire. Comment on appelle ça des. Non, pas d'enseigne. C'est quoi ça? Paille de gaufre. Tiens, ça c'est pas mal. Voilà, vous allez voir. Non, mais pas sur la maison. Alors, du coup, je vais la poser là. Je vais X deux fois. Voilà, ok, on la tourne. Je dis, on la tourne. Voilà. X une nouvelle fois pour la positionner. On va l'enfoncer légèrement. Tac, et on va dupliquer. En complexe, ici, on duplique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, dans les centres-villes, ouais, c'est pas extra. Hein. Ici, ça manque de lumière, mais un truc de fou, quoi. Mais en même temps, il faut absolument voir ça. Faut qu'on travaille mode de nuit, en mode nuit. Pour pouvoir peaufiner certaines choses. Alors, par contre, on va éclairer un peu ce genre de petite lumière qu'on va habiller. On va la tourner. Comme ça. Et on va la positionner une fois en X de cette manière-là. OK. Et on va la dupliquer. Dupliquer, je sais pas s'il va la dupliquer du même sens que ce que j'ai prévu. Non. Dupliquer. Voyons voir. Dupliquer dans ce sens-là. Alors, on va la mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, on va deux fois X. Pour l'orienter un peu plus sur l'église, celle-ci aussi, deux fois X, pour l'orienter un peu sur l'église. Enfin, l'église, hein. Je dis une église, mais c'est une chapelle. Enfin, une petite chapelle. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Ça ressemble à quelque chose. Bon, il en faudrait un peu là, et il en faudrait un peu partout, quoi, en fait. Mais bon... tiens, je viens de remarquer que la porte ici est légèrement un peu haute. X. Bah oui, parce que c'est pas logique. Voilà. On a terminé. On a terminé ça. Voilà. Bon. Ma foi, on aura fait une petite parenthèse sur le village de nuit. On aura bien travaillé un peu dessus. Kiki Village. Et puis, on va pouvoir se remettre en mode jour et on va continuer à avancer, quoi qu'on aurait pu quand même rester en mode nuit pour éclairer tout ça là. Oh, c'est vraiment pas du tout éclairé. Mais on a gardé ces lumières là, hein, de mémoire. Ces lumières là, pourquoi ces lumières en fait je les ai mis dans ce sens là? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout ça. Repositionner. On va la tourner dans l'autre sens. Et on va la mettre sur le bord. On va la dupliquer.
on va en mettre plusieurs. Parce que c'est pas terrible, terrible. Hop. Ce banc va me faire. Va me gêner, oui. Ok. Du coup, est-ce que. Ben non, je peux pas vraiment. Il faudrait que je me mette en haut et le mettre là. Pour qu'on soit on va dire à peu près pareil. À peu près. Hein. On va pas avoir trop les défauts. Mais non, mais pas sur. Pas sur la. Non, mais non. Zut flûte. Alors ici. Ici. On est un peu serré là. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Hein, c'est vrai que ça prend du temps, cette histoire-là d'éclairage. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Kiki Land. On va presque faire des éclairages. Gros éclairage sur Kiki Land. Et puis peut-être un éclairage aussi sur le panneau Kiki Village avec sur des murs. Peut-être que environnement, on va repartir sur les lumières. Tiens, on va utiliser celle-ci. On va la mettre ici. Et je vois pas grand-chose là. Ici. Hop. Et on va la mettre en couleur. Alors c'est quoi? Ça va être quoi la couleur? Marron. C'est le... Ok, ça c'est bon. Et on va la tourner. Et on pourrait peut-être changer la couleur jaune. Ouais, voilà. Jaune. On est d'accord. Et maintenant, on va X. La tourner. Comme ça. Ok. Et celle-ci... On va la changer, on va prendre donc marron comme on avait. C'est bien parce que ça garde les dernières couleurs en mémoire. Comme ça, bah, du coup, ça permet de pas trop faire de boulettes niveau couleur. Surtout en mode nuit puisqu'on ne voit pas grand chose. Et voilà. Tac. Bon, on voit pas forcément, mais je dis que c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est pas mal. On aurait pu éventuellement mettre une carrément dessus. Marc, on peut, hein. Dupliquer. On va le mettre dessus, hop, et on va la tourner dans ce sens-là. Tac, 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 tac. Et voilà. Allez, c'est pas mal ça, non? Vous en pensez quoi, quand on est là? Donc les gens, ils vont directement là-bas, voilà, au Kiki Village. Oula, qu'est-ce que je fais avec la caméra? J'ai un peu de mal. On est pas mal. Moi, je dis... Ça commence à prendre forme. Il manque des poubelles ici, hein, je pense. Alors, on avait utilisé quoi comme poubelle? Dans cette allée, c'est des poubelles comme ça. Et on va utiliser des poubelles... des poubelles comme on a utilisé de l'autre côté de la fête foraine. Je trouve que c'est pas mal comme poubelle. Décoration, poubelle, ce style-là, je pense. J'aime bien, moi. C'est assez cohérent, on va dire. Ou pas, hein, mais... Mais l'idée est poubelle là. Une poubelle là. Là. Je vois pas grand chose, mais on va mettre là. On va en mettre une ici. Une ici. Et une ici. Donc là, on est plutôt pas mal niveau poubelle. Par contre, il faudra en mettre une, je pense, à côté des magasins. Puisque les gens sont pas souvent propres. Hein, on va le dire. Et puis côté hôtel, les soins, on voit pas grand chose. Hein. On va mettre ça en jour après, parce que là, ça se trouve, on fait des boulettes. Hein. Des petites boulettes. Et il faut qu'on pense aussi, je suis en train de voir le personnel là, il faut qu'on pense à mettre un petit coin pour nos personnels. Parce qu'autrement, ils vont dire oui, on peut plus se reposer, on s'en va. On gagne des sous, mais là, je trouve qu'on descend beaucoup en dessous. Alors, on va aller vérifier vite fait. Ah, bah, chouette. On a débloqué. Missy Good. Ok. Ensuite, attention. Bumpy Derby. Ah, ça, c'est bien. Ça fait vraiment fête foraine. C'est les autotamponneuses, entre autres.
Donc du coup, on va rechercher encore un peu, et puis encore de la bouffe. Mais je voulais voir les employés, les hommes de ménage, il n'y en a que 4, c'est élevé. Donc on va embaucher un employé en homme de ménage, hop, et on va en mettre un par là-bas. Ok, ça c'est fait. Ensuite, agent de sécurité, je pense qu'on va en embaucher un autre. Voilà. Et ensuite, par contre, vendeur. On va aller voir les vendeurs là, parce que. Et même les techniciens. Il n'en reste qu'un. Oh! Ouh là là! Pas bon. Ou pas bon. Pas bon, pas bon du tout. Ah ouais, là, je. C'est pas bon du tout. Alors attends. Parce que là, du coup, on va en mettre un là. On va en mettre un là. On va en mettre un là. Parce que ça, c'est pas bon. De ne pas avoir de technicien, ça veut dire que si une attraction tombe en panne, on est dans la mouise. Et les vendeurs? Ça me paraît élevé, élevé. Il y en a deux en élevé. Donc on va embaucher deux vendeurs, au pire. Un là. Il en manque. Ok, on va le faire remplacer là. Ok. Ensuite, on va aller voir vite fait. Parce que ça, c'est super important, hein, franchement. Hop, ici. Ok. Et le personnel, là, parce que normalement c'est là, mais il va falloir qu'on pense à. Je vais dans les côtés pirates. Côté pirate, il n'y a pas. Ah non, il y a du monde. On va en mettre un là, au cas où. Et puis un autre pour qu'il fasse le relais. Je parie qu'il n'y a personne là. Bah ouais. Il n'y a personne et on perd de l'argent. Bon. Ok, ça c'est bon. Il faut mettre les machines aussi dans ce coin-là. Bon, on verra après, je pense, à la prochaine vidéo. Et par contre, il n'y a pas de lumière là. Hein. Alors peut-être que, puisqu'on est toujours en mode de nuit, spécial mode nuit, on va dire. Comme ça, on va mettre des torches. Peut-être que ça fasse pirate. Voilà. Là. Ici. Ici. Oh là là, ce truc qui fait beaucoup de bruit. Et là, ici, c'est le bordel. Hein. Lumière ici. Bon, on va rester sur ce thème-là, je pense, niveau lumière. Parce que. Oh là là, mais je vois pas grand-chose, hein, par contre, hein, de nuit. Hein. Hop! Et on va mettre là. Là, ils ont de la lumière, sauf pas là, par contre, hein, enfin, de mémoire. Ouais. Donc on va mettre de la lumière là et de la lumière là. Et est-ce qu'ils ont de la lumière là? Non. Donc on va en mettre là. Ici, on va en mettre. Ça, je trouve ça super original. Dommage qu'on peut pas récupérer les personnages. Je sais pas ce que si on peut le modifier. Non, on peut pas modifier. Mais je trouve ça pas mal du tout, le décor. C'est pas mal du tout. Les gens regardent, c'est cool. Bon, après, ils sont dans la nuit, hein. Enfin, ils sont dans l'obscurité. Alors, du coup, oula, c'est cassé ici. On va tout de suite remplacer pour pas que ça dérange les gens. Donc, ça veut dire qu'il manque de la sécurité ici. Il faudra mettre, à mon avis, des caméras. Il va falloir se pencher aussi sur un prochain épisode, de se pencher sur ça, sur la sécurité. Par contre, du coup, tant qu'on est dans les lumières, on va profiter. Projecteur poursuite, non, c'est un peu gros, ça. Par contre, on va prendre, je pense, ces petits carrés qu'on customise après. Mais ça va rien éclairer du tout, là. Ou alors, ici, on va voir ce que ça donne si on l'enfonce dans l'eau. Hop, je vois pas grand chose là. On voit que je peux mettre non, non, mais non. Ici, ici et ici. Alors, on va voir X une fois, X une deuxième fois, on va la tourner par là et ensuite on va éclairer le bâtiment comme ça. Ok. Ensuite, on va se mettre là.
on va, je voudrais sélectionner 2 fois X pour éclairer le bâtiment. Ok, ici, 2 fois X. Ok, c'est pas mal. Ensuite, ici, 2 fois X. Voilà. Ici, 2 fois X. Alors par contre, là, je pense que, à mon avis, elle est dans l'eau. Donc, du coup, si je refais X pour... Ah ouais, mais... Alors, faudra mettre des nénuphars, un truc comme ça, pour que ça éclaire. Ok, et celui-ci, on va faire 2 fois X pour éventuellement éclairer là. Bon, je ne sais pas ce que ça donne visuel. Il faudra habiller ces petites lumières, mais voilà. Donc ça donne quoi? Il fait super nuit ici, mais on voit un peu le bâtiment. Ok, ça c'est bon. Pour ces lumières-là, on va partir sur celles-ci. On va les dupliquer. On va les mettre dans l'autre sens. Ici. Ici. Un peu là. Oui. Ensuite, en bas de l'escalier. Pour éclairer. Sans jeu de mots ou sans... attends, parce que là, du coup... on peut mettre ici, ici, non, ici c'est pas la peine, là, et à côté du banc, on va dire. Alors, il faudrait qu'on soit à peu près pareil, sauf qu'il va y avoir la poubelle qui va me gêner, on va la mettre là, tant pis. Ici, on va le mettre là, ici. Voilà, et enfin, ici. Voilà. Donc déjà, on a une petite allée assez sympathique. Il faudrait que j'embauche des animateurs aussi. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, moi, le Welkiki BDC, j'ai envie de dire le Kiki Park, le Kiki Land, le Kiki Village, eh bien, je dis que, en fait, ce personnage ressemble énormément, énormément, j'ai envie de dire, à notre Kiki Land. Allez, on va le mettre là. Et il est super heureux, super content. On va en mettre plusieurs. On va en mettre un là. Comme ça, ça va animer un peu tout ça. Par contre, je perds de l'argent, dis donc. J'ai pas fait attention. On va un autre là. Hop. Et comme ça, on pourra éventuellement faire un clin d'œil, bah, évidemment, au personnage de Planet Coaster. Mais au moins, il y a des accessoires qui ressemblent à sa tête. Et ça peut être vraiment original. On pourra éventuellement habiller un peu plus cette entrée, hein, évidemment, parce qu'on ne la laisse pas tomber. Mais là, c'est vraiment... on part sur le côté nuit, lumière, etc. pour voir ce qui se rend bien ou pas. Parce que là, on est à 21h, mais si on se met, on va dire, à 23h, je ne sais pas ce que ça fait, encore plus nuit. Ça ne change pas plus. D'accord. Et si on met 4h du matin, ça ne change pas plus. Ok. Bon, autant pour moi. Alors, du coup, on a encore un peu de manque de lumière. Ici, il faudra, je pense, faire ça, quelque chose en lumière, on va dire. Et puis, ça avance. Ça avance tout doucement. Mais on perd de l'argent. Bon, après, on a beaucoup dépensé en recherche, hein, de mémoire. Tiens, on a une nouvelle attraction. Ah oui, j'avais dit que je commencerais à faire le... Eh, on a le petit train Iron Horse. Super. Ça, c'est vraiment top. On va reprendre des recherches dans les transports, parce que c'est ce qu'il faut. On voudrait faire un transport... Oula. Oui, là, il n'y a plus grand monde, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de déco. Mais je voulais faire un transport ici. Commencer un transport qui puisse passer, on va dire, découvrir un peu les coulisses. Donc on va faire une montagne, quelque chose comme ça qui passera en hauteur. Et à ce moment-là, on va faire l'animation derrière. Et ensuite, ils passent derrière tout ça et ils arrivent ici, je pense, là, à cet endroit-là. On va faire un quai côté pirate, je pense.
sauf qu'il faut faire une grosse structure, arche, on va voir, pour le milieu pirate. De toute façon, le milieu pirate, on va le continuer, hein. On va le continuer par là, hein, vers la gauche. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que je vois le temps qui tourne, et ça va super vite. J'espère que ça vous a plu. Encore merci de me suivre, ça fait super plaisir. Les commentaires, les abonnés, n'hésitez pas à partager sur Facebook, n'importe où, enfin peu importe, ça fait vraiment super plaisir. Et peut-être que s'il y a beaucoup de monde, justement, je ferai peut-être gagner le jeu Planet Coaster. Ouais, pourquoi pas. Mais enfin, ça, il faut avoir beaucoup plus de monde. Mais en attendant, je vous dis à bientôt les kikounets. Ciao, ciao.